Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire informatif sur le volet soutien à l'entrepreneuriat scientifique de la plateforme de financement de la recherche intersectorielle sur le vieillissement des fonds de recherche du Québec. Je me présente, mon nom est Emiliano Scanu, responsable des programmes à la direction des défis des sociétés et des maillages intersectoriels. Et aujourd'hui, je suis avec Madame Denise Pérusse, directrice au défi des sociétés et au maillage intersectoriel, ainsi qu'avec Marie-Pierre Cossette, responsable des programmes, toujours à la même direction, et enfin avec Madeleine Joseph, coordonnatrice aux opérations. Donc, celui d'aujourd'hui est le deuxième webinaire qu'on présente sur les concours de cet automne 2021. Hier, on a présenté les volets Living Lab Région. Et je vous rappelle que les enregistrements seront disponibles d'ici quelques jours. Donc, vous pourrez les visionner dans la boîte à outils de la page web des règles de ces programmes. Donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est vous informer de vous présenter les grandes lignes du programme et notamment les volets soutien à l'entrepreneuriat scientifique, donc les principaux objectifs, les fonctionnements, les questions d'admissibilité et les processus de soumission de demandes. Donc, avant de commencer, je laisserai la partie introductive à Madame Denise Pérusse et je vais en même temps partager mon écran. Alors, merci Emiliano. Donc, bienvenue à ce webinaire. Toujours content de vous entendre et de présenter nos différentes initiatives, surtout dans le cadre, lorsque c'est une initiative ou un volet très expérimental ou un volet pilote. Donc, je suis à la direction des défis de société et des maillages intersectoriels depuis 2016. Je vais quand même rappeler notre mission, nos objectifs. C'est vraiment de mettre en place des initiatives intersectorielles ou des programmes en lien avec les grands défis de société. Donc, un des défis étant le vieillissement de la population, les changements démographiques. On a aussi la question du développement durable et de l'impact des changements climatiques. Et un autre volet plus transversal, je dirais, qui s'appelle la créativité et l'entrepreneuriat. Donc, je dirais ces trois défis, mais aussi les programmes qui sont associés. Donc, le financement provient vraiment de la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Donc, notre mission, c'est vraiment donc de développer des programmes, mais aussi de les mettre en valeur. Donc, j'ai une petite équipe, Emiliano vous l'a présenté. Vous avez devant vous les 4/5 de l'équipe. Il ne manque que Josiane Moret. Donc, vous avez le privilège d'avoir une petite équipe, mais qui est fort dynamique. Je dirais aussi la particularité, c'est qu'Emiliano s'occupe beaucoup des programmes comme tout ce qui est question du vieillissement, tout ce qu'on avait, les initiatives aussi en lien avec le développement durable. Je pense notamment à l'Observatoire, mais aussi le programme Audace. Marie-Pierre, très, très associée, je dirais, à tout le volet entrepreneuriat. Et dans ce cadre ici, donc, elle n'agit pas comme responsable de programme pour ce volet-là, soutien à l'entrepreneuriat scientifique, mais comme c'est un volet pilote et on a eu beaucoup, beaucoup la contribution de Marie-Pierre dans la conception puis dans cet aller-retour avec les entrepreneurs. Donc, elle va être très, très précieuse dans les questions ou dans la philosophie qui est derrière tout ce programme. Programme maintenant, la plateforme vieillissement. Donc, ici, c'est le troisième appel. C'est le troisième appel dans le cadre de la plateforme de financement au pluriel de la recherche intérieure sur le vieillissement. Un des éléments importants à retenir, c'est que notre ADN, c'est qu'on fait des maillages, puis on fait des maillages, puis on a une approche intersectorielle. Donc, qui combine les différents secteurs de recherche. Mais quand on parle de maillage aussi, c'est qu'on parle aussi des secteurs d'activité, des secteurs propres à la société. C'est important pour la question de l'entrepreneuriat scientifique. L'autre élément, c'est... Donc, ça, c'est un peu notre ADN. Donc, on a eu trois concours. Premier concours, qui a été en 2019-2020, on a eu trois volets. On avait un volet cohorte ou études longitudinales. On avait un volet Living Lab,
Toute région confondue, si je peux dire, autant en région en contexte urbain. Mais on avait aussi un audace qu'on avait thématisé en lien avec la question du vieillissement. Deuxième concours, on a eu deux volets comme tel, qui étaient un volet encore Living Lab, parce qu'on pense qu'on n'avait pas trouvé le plein de nos... des équipes qui pouvaient travailler en mode Living Lab. Donc, on a refait un appel et on a fait aussi un appel à solution, quelque chose de très, très pointu. Donc, le concours est passé, ça, c'était l'année passée. Maintenant, on a un troisième concours cette année avec deux volets. Volet, comme l'expliquait Indiano, on a donné des explications hier, sur un volet Living Lab en région. Et on a le volet pilote soutien à l'entrepreneuriat scientifique. Donc, voilà un peu le contexte dans le fond de plateforme. Donc, c'est une plateforme qui amène chaque année, en tout dépendant aussi de l'argent, donc de différents volets, tout dépendant de comment on a une réponse de la communauté scientifique, puis de la contribution de ces différentes, je dirais, formes ou de financement pour toujours dans le même objectif, tout dans un objectif de bien saisir la question du bien vieillir dans ses multiples dimensions. Fait que donc, je peux prendre le autre diapo. Ça, je vais aller plus vite pour vous laisser le temps de parler Donc, je dirais que donc, les grands objectifs de ce troisième appel, c'est vraiment de soutenir l'avancement des connaissances et des pratiques sur des questions en lien avec le bien vieillir, toujours vu dans une perspective globale et holistique, parce qu'on pense que le vieillissement, toute la question du vieillissement, l'aborder dans toute sa complexité, il faut y aller avec toutes ses dimensions. Donc, apporter une attention particulière aux enjeux d'un vieillissement réussi en région. On a beaucoup abordé hier. Donc, encourager des propositions de recherche qui émergent des besoins de connaissances en lien avec la démarche entrepreneuriale pour avoir des retombées rapides et concrètes pour des milieux de pratique et académique. C'est ici qu'on rentre le volet soutien à l'entrepreneuriat. Et donc, l'idée aussi, c'est de maximiser les collaborations au sein de la communauté scientifique en provenance des trois secteurs. Donc, l'important de favoriser la participation aussi des secteurs de recherche, mais aussi des secteurs de la société, hein, milieu communautaire, milieu industriel, milieu entrepreneurial, etc. Milieu scientifique, évidemment. Donc, c'est aussi encourager le partage des savoirs et des outils pour mieux soutenir des partenaires dans des contextes d'action, d'intervention plurielle. Prochaine slide. Donc, dans tous nos appels, depuis nos trois, les trois, depuis les, qui se sont déclinés, je pense, dans les 3 dernières années, il y avait vraiment, on avait identifié des besoins de recherche. Tous ces besoins de recherche qu'on avait identifiés sont issus, par ailleurs, de forums, de consultations qu'on a fait avant de lancer. Donc, toute la façon de penser nos appels, c'est toujours en lien avec les besoins de recherche qui sont identifiés par le milieu. Donc, c'est important. Donc, qui avait été identifié notamment dans le lien avec le bien vieillir, outre le fait qu'il fallait élaborer dans toutes ces dimensions-là, puis de mettre à contribution les chercheurs de tous les secteurs de recherche pour avoir les fonds, c'est de mieux connaître la cohorte des personnes aînées de 85 ans et plus. Il y a des gros enjeux autour de ça. Donc, appréhender le vieillissement sous l'angle de la trajectoire. Donc, dans une perspective de parcours de vie donc, essentiel. Donc, pas seulement le processus de vieillissement comme tel, mais quand on parle du vieillissement dans la façon d'aborder les environnements, dans la façon d'aborder la question des soins, la question de mort, etc. Puis, maintenir à court et à moyen et à long terme les personnes aînées dans leur pleine capacité individuelle et collective, puis la question de toute la vieillir à l'ère du numérique. Donc, principe directeur. Donc, puis là, je le répète ad nauseam, mais c'est vraiment un peu aussi notre ADN, là, ce qui fait notre spécificité par rapport à chacun des fonds. Donc, c'est vraiment d'aborder les thématiques, mais toujours avec ces multiples dimensions, puis avec ce regard, cette perspective intersectorielle, puis toujours privilégier une approche de co-construction. Donc, pas à servir ou instrumentaliser une discipline ou un secteur ou un milieu par rapport à un autre. Prochaine diapo. Donc, on a deux volets, volet Living Lab en région. Donc, c'était vraiment l'idée de créer des Living Labs vraiment comme des incubateurs ou des terrains d'expérimentation, puis vraiment susceptibles de favoriser l'émergence de nouvelles approches autour de la question de la thématique du bien vieillir, mais dans un contexte régional, avec des spécificités particulières lorsque tu es en région par rapport à des contextes urbains ou que tu sois
c'est-à-dire Québec-Montréal, le triangle, on va dire, Québec-Montréal-Sherbrooke. Donc, mais c'est évident, on a eu des discussions hier, qu'il y a des enjeux qui sont similaires, mais il y a des spécificités par ailleurs régionales. Donc, bon, donc le financement, c'est une durée de 3 ans. Il y a deux octrois qui est prévu. Puis, c'est ce qui veut dire que les équipes qui sont retenues vont aller chercher presque 1 million par année. Donc, voilà. Mais là, on vient avec le soutien de l'entrepreneuriat scientifique, c'est un peu votre intérêt. Donc, les grands objectifs, là, on va y revenir, là, ad nauseam, Emiliano, puis Marie-Pierre pourra aussi compléter, là, si jamais on oublie certaines choses, là, par rapport à ces consultations. Donc, c'est vraiment favoriser l'émergence d'innovations entrepreneuriales par des approches intersectorielles et co-construites en lien avec le BVI. Il y a toujours cette dimension, ne pas perdre la vue de l'appel, c'est toujours en lien avec le BVI, puis on met à contribution des entrepreneurs scientifiques avec des chercheurs des milieux universitaires ou des milieux académiques. On mise, comme je le dis, sur des collaborations des scientifiques universitaires et des scientifiques au sein d'entreprises avec des activités de recherche pour la création de nouvelles connaissances et solutions. Donc, c'est important. Évidemment, on va plus loin, puis vous avez vu que lorsqu'on a décliné les règles, on a précisé ce qu'on entend par entrepreneur scientifique, quelles sont les entreprises qui sont admises, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est dans ces deux puces-là, c'est l'essence même du programme. Évidemment, c'est un financement qui est rapide, 1 an, qui pourra peut-être pas se dépenser sur 2 ans, mais bon, se décliner sur 2 ans, mais on va avoir une certaine souplesse comme on a pour le programme Audace. Donc, on s'attend, on a de l'argent pour 7 à 8 octrois et on donne un montant entre 100 et 125 000, les filles reçues. Hein? Donc, voilà. Puis c'est la même date pour la date limite. Prochaine diapo, puis après, je vais laisser vraiment la parole à Emiliano qui va donner vraiment le détail. Il faut retenir deux ou trois choses. Donc, c'est un volet pilote. On teste quelque chose. C'est très, très, très nouveau parce qu'on expérimente à la fois un nouveau mode de financement, mais toujours dans l'esprit, dans l'objectif de créer de nouvelles connaissances qui sont partagées, hein, avec des retombées pour le milieu académique, mais aussi pour le milieu entrepreneurial. C'est la première chose. Donc, on veut aussi favoriser une approche innovante de financement intersectoriel. Ce que ça veut dire, puis c'est assez nouveau, là, puis je vous dis qu'on est hors cadre un peu, là, c'est qu'on permet aux entrepreneurs scientifiques d'être au cœur de la gestion d'une subvention de recherche, qui est quand même pas banal. On encourage une véritable coordination entre des entrepreneurs scientifiques et des chercheurs. Donc, une co-direction, ce qui veut dire qu'on a la responsabilité à la fois financière, responsabilité de la réalisation du projet, puis bon. Puis, on accorde un montant directement aux entrepreneurs afin qu'ils puissent assumer un rôle de liaison avec les chercheurs, les chercheuses dans le domaine du BVI et un rôle de gestion, comme je viens de dire, du projet et des activités de recherche à long terme. Bon, ça, c'est l'esprit. Je suis sûr que vous allez avoir des questions. Bon. Donc, prochaine diapo. Il y en a, on va revenir sur les objectifs, sur ce qu'on appelle les questions d'admissibilité, comment ça va se décliner, ce que ça veut dire lorsqu'on donne une partie de la gestion financière à un entrepreneur scientifique. Contrairement, bon, voilà. Donc, je m'arrête là. Je pense, Ignano, tu prends le relais. Puis, évidemment, comme je dis, c'est un volet pilote. On voit ce que ça va donner. On pense que c'est porteur parce que, dans le fond, l'idée, c'est qu'on veut vraiment encourager ce genre de maillage entre ces deux bêtes qui sont très, très proches. Mais en même temps, toujours dans une perspective d'avancée, de nouvelles connaissances puis de partage. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être précisées. Voilà. OK, donc je te laisse, Emiliano. Oui, parfait. Merci beaucoup, Denise. Donc, tu as déjà dit beaucoup sur l'essence, un peu la raison d'être de ces volets-là. Donc, les objectifs généraux, c'est encourager la collaboration entre des scientifiques qui œuvrent dans des universités et des scientifiques qui œuvrent au sein des entreprises qui ont une capacité de recherche accrue pour la création conjointe de nouvelles connaissances et bien sûr des solutions en matière de vieillissement. Donc, les entreprises ciblées, ce sont celles qui possèdent, par exemple, déjà une propriété intellectuelle et qui veulent contribuer à l'avancement des connaissances sur le bien vieillir, directement liées à cette propriété intellectuelle, ou des entreprises qui désirent
stimuler un domaine de recherche pour diversifier les résultats des recherches publiques disponibles et susceptibles de renforcer leur capacité de recherche. Donc, des entreprises qui désirent explorer nouveaux créneaux de recherche. Quelques précisions importantes qui ont lien aussi avec l'admissibilité. Donc, une entreprise scientifique est considérée comme une compagnie du monde incorporé qui développe une ou des innovations par une démarche utilisant la méthode scientifique et reposant sur des données probantes, hein, afin de valoriser un savoir ou une propriété intellectuelle. Ça, c'est très important. C'est un peu la définition qu'on donne d'entreprise scientifique. Les programmes n'offrent pas un soutien direct à des projets de maturation ou à l'aide de l'aide à démarrage de l'entreprise scientifique. Donc, on ne donne pas, par exemple, ce n'est pas de l'aide pour des startups, pour ouvrir une startup, démarrer une startup. Ce n'est pas cela qu'on fait. Le financement est conditionnel, bien sûr, à la signature d'une entente de partage de nouvelles connaissances, incluant une stratégie de valorisation des transferts. Et naturellement, tout conflit d'intérêt potentiel doit être déclaré. Donc, on ne finance pas l'enrichissement personnel des membres de l'équipe. Ça soit clair dès le début. Et bien sûr, l'équipe, comme toute équipe, s'engage à respecter la politique sur la conduite responsable en recherche des fonds de recherche du Québec. Donc, on va plus dans les détails sur la composition des équipes, les équipes admissibles. Donc, c'est quelque chose, c'est un peu, on pourrait dire, un peu révolutionnaire ce qu'on propose. Donc, on va avoir deux personnes responsables, donc un comporteur, deux comporteurs ou deux comporteuses. Donc, on va avoir un chercheur principal ou une chercheuse principale au sein des FRQ, au sens des données des FRQ, donc statut 1, 2, 3, et un entrepreneur scientifique comporteur ou un entrepreneur scientifique comporteuse. Donc, ces deux personnes responsables partagent la responsabilité de la subvention et donc, bien sûr, sont responsables du déploiement du projet de recherche. Et ces deux personnes-là, les deux personnes comporteuses, entérinent conjointement les rapports exigés selon les termes fixés. Donc, que ce soit rapport d'étape, que ce soit rapport final, tous les détails sont sur les règles qui sont publiées sur le site web. Ici, nous, dans ce webinaire-là, on vous présente les grandes lignes du programme, mais pour les détails, allez voir sur le site web du programme ou écrivez-nous, appelez-nous. Donc, on a ces deux porteurs responsables qui sont obligatoires dans l'équipe et aussi au moins un co-chercheur ou une co-chercheuse d'un secteur différent de celui du chercheur principal ou de la chercheuse principale couvert par les FRQ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'en plus d'un chercheur scientifique qui œuvre dans une université avec un statut 1, 2, 3, on a besoin aussi d'un co-chercheur ou une co-chercheuse qui provient d'un secteur différent de celui du co-chercheur ou de la co-chercheuse principale. Donc, c'est-à-dire, brièvement, si le chercheur principal est bien de santé, un des co-chercheurs doit venir au minimum d'un fonds nature et technologie ou d'un fonds société et culture. Pourquoi? Parce qu'on s'inscrit toujours dans une visée intersectorielle. Et finalement, l'équipe peut inclure des co-chercheurs ou co-chercheuses ou collaborateurs ou collaboratrices un nombre illimité, mais au moins un qui provient d'un secteur différent de celui du chercheur principal. Donc un chercheur principal ou une chercheuse principale font partie du statut 1, 2, 3 selon les règles générales communes. Nous, dans notre programme, on accepte aussi des chercheuses ou chercheurs de collège avec maîtrise ou avec PhD, donc à la différence de la plupart des autres programmes des FRQ. Pour les objectifs de ces programmes ici, de ces volets ici particuliers, l'entrepreneur scientifique va avoir un statut 4E, donc personne contribuant à titre individuel. Et très important, cet entrepreneur-là doit être engagé à temps plein dans l'entreprise scientifique et faire partie de l'actionnariat de l'entreprise à une hauteur d'au moins 10%. Donc, ce sont vraiment les critères d'admissibilité pour l'entrepreneur ou l'entrepreneur scientifique.
Et finalement, pour être co-chercheur ou co-chercheuse, un nombre illimité, vous pouvez avoir les statuts 1, 2, 3 et 4 des statuts en recherche, des règles communes générales des FRQ. Aussi, au fin de l'admissibilité, très important, l'entreprise scientifique doit opérer des activités de recherche à l'interne depuis au moins 2 ans avec l'équivalent d'une personne à temps plein dédiée à la recherche. Donc, ce sont vraiment les critères d'admissibilité de l'entreprise et au sein de laquelle œuvre l'entrepreneur qui agira comme co-porteur de la demande. Ensuite, cette entreprise-là doit dédier au moins 50% de ses investissements à la recherche, avoir un revenu annuel de moins de 2 millions de dollars, donc pas plus de 2 millions de dollars, avoir produit une preuve de concept ayant suscité de l'intérêt pour une commercialisation ultérieure. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site web des exemples des preuves de concept, avoir une stratégie de protection des données en place. Toujours pour les détails, vous pouvez aller voir notre site web, avoir développé un réseau d'accompagnement et, dernier mais pas le moindre, l'entreprise scientifique ne doit pas être inscrite au registre des entreprises non admissibles au contrat public et bien sûr avoir un lien, et ne doit pas avoir un lien de dépendance avec une ou un des membres de l'équipe. Donc, notamment un contexte de conflits d'intérêts. Voilà. Donc, pour éviter des conflits d'intérêts. Pour les membres de l'équipe qui désirent participer à plus d'un projet, donc il faut tenir compte des points suivants. Donc, une seule demande peut être déposée par un même chercheur principal ou une même chercheuse principale, voire un entrepreneur scientifique co-porteur ou un entrepreneur scientifique co-porteuse, tout volet confondu. Donc, ça veut dire qu'il y a un chercheur principal qui soumet une demande au volet soutien à l'entrepreneuriat scientifique ne peut pas déposer une demande au volet Living Lab Region en tant que chercheur principal. Et finalement, un co-chercheur ou une co-chercheuse peut participer à un maximum des 2 demandes, tout volet confondu. Naturellement, si vous avez des questions sur cela, notez-les et vous allez les poser à la fin de notre présentation. On va vous répondre avec grand plaisir. Bien sûr, les critères d'évaluation, les gens sont toujours le même, un peu. Bon, non, en réalité, pour l'avisement, sont plus ou moins les mêmes, mais on les a adaptés, ajustés justement pour ces volets-là. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Ici, il faudrait retenir que nous avons 4 volets, 4 critères. Pertinence qui vaut pour les 20% de l'évaluation totale. Approche de recherche qui vaut 25% du total. Compétence de l'équipe et contribution des parties prenantes qui vaut 30%. Donc, vous voyez comment la contribution de l'équipe, la complémentarité des expertises, tout cela, les stratégies de collaboration et de recherche sont quand même très importants dans ces volets-là. Et finalement, les critères retombées anticipées et stratégie de transfert qui vaut 25% de l'évaluation totale. Les documents obligatoires, donc questions pratico-pratiques, si on peut dire comme ça, un texte maximum de 4 pages qui décrit le projet. Donc, dans ces 4 pages, vous devriez inclure aussi les références, les tableaux, les figures, les graphiques. Donc, ne pas faire des documents à part pour cela. Tout doit rentrer dans 4 pages. Ensuite, un texte de maximum 2 pages qui décrit la capacité de recherche et d'innovation de l'entreprise scientifique. Un CV abrégé pour chaque membre de l'équipe, sauf les collaborateurs. Et un CV professionnel d'un maximum 2 pages pour chaque entrepreneur. Ensuite, on vous demande un complément d'information, c'est-à-dire une vidéo de maximum 3 minutes dans laquelle vous allez décrire le projet, parler de votre collaboration, etc. etc. Ensuite, 2 pages maximum de justification budgétaire, les états financiers des 2 dernières années et les projections financières pour l'année à venir, naturellement pour ce qui concerne l'entreprise scientifique impliquée dans les projets. Ensuite, lettre ou document d'appui au projet présenté
par les utilisateurs potentiels, des chercheurs reconnus, des mentors, donc maximum 3 lettres d'appui. Et s'il y a lieu, les documents à joindre obligatoirement pour des professeurs qui sont retraités ou sous octroi et qui vont agir comme chercheurs ou chercheuses principales ou principaux. Donc, pourquoi? Parce que dans le cas d'un professeur retraité, les départements ou les centres dans lesquels ces professeurs œuvrent devraient démontrer que ces professeurs ont toujours un bureau et ont toujours le support du centre ou du département. Et dans le cas du professeur sous octroi, cette lettre-là doit démontrer que les professeurs vont être embauchés, vont travailler quand même pour la durée de toute la subvention, de tout l'octroi. Voilà. Et dernier détail sur la transmission de la demande, qui c'est quand même un processus extrêmement important. Donc, le chercheur principal transmet les formulaires à son établissement et ensuite son établissement transmet tous les formulaires après vérification que tout est complet. Il transmet ces formulaires-là à l'FRQS. Donc, très important tout d'abord savoir que ce concours-là est hébergé par la plateforme FRQNet du fonds santé. Donc, même si vous êtes habitué à travailler dans les sites de votre fonds, Société Culture ou Nature et Technologie, dans ces cas-là, vous devrez ouvrir des sessions avec le fonds de recherche de Québec santé, parce que c'est lui qui gère tout. Donc, ça, très important. Et aussi, pour ce qui concerne l'entrepreneur scientifique, lui aussi doit transmettre tous les documents exigés au fonds santé. Par exemple, les états financiers de l'entreprise au sein de laquelle il œuvre. Très important pour les dates, vous savez, la date limite, elle est le 17 novembre, mais il se peut que votre établissement gestionnaire ou employeur aille fixer une date différente, hein, parce qu'il doit quand même avoir le temps pour vérifier toutes les demandes reçues et pour les envoyer ensuite au fonds de recherche du Québec. Donc, il peut avoir aussi ne pas soumettre, même si la date est la même, ne pas soumettre à la dernière minute parce que l'établissement gestionnaire ou employeur doit avoir le temps de réviser votre demande, de l'approuver et de l'envoyer. Dans certains cas, il peut vous la renvoyer parce qu'il manque quelques documents ou quelques détails. Donc, très important de faire cela vraiment à l'avance. Et dans les cas, certaines fois, des CIUS qui n'ont pas cette habitude-là de soumettre des demandes au fonds de recherche, vraiment communiquer avec votre établissement gestionnaire ou employeur à travers lequel vous transmettez votre demande et rappelez-lui de transmettre la demande. Donc, communiquer sans tarder avec votre établissement. Pour terminer, je vous rappelle que tous les membres de l'équipe identifiés dans les formulaires doivent donner leur consentement dans les portefeuilles du FRQS. Donc, autant vous fournir les CV, leur CV, que donner leur consentement, sauf pour les collaborateurs. Et voilà, finalement, la date de transmission du formulaire à l'établissement pourrait être différente de celle fixée par les FRQ. Le secret, c'est toujours faire les choses à l'avance et planifier à l'avance, donc vous n'aurez pas de surprises à la dernière minute. Donc, avec ça, j'ai terminé cette présentation. Je ferme les partages d'écran et je vous invite à poser vos questions à la fois en écrivant dans l'onglet discussion, mais vous pouvez aussi bien lever votre main, on vous donnera la parole et vous pouvez poser votre question avec votre micro. Donc, merci. Donc, allons voir la discussion et les participants. Donc, je ne sais pas si Denise, Marie-Pierre, Madeleine, vous vouliez ajouter quelques éléments en attente des questions des participants.
Moi, j'inviterais Marie-Pierre peut-être parce qu'elle a quand même consulté beaucoup d'entrepreneurs scientifiques ou voir un peu l'esprit. Si je... Ça va vous donner le temps de poser des questions. Ou de... À moins que ça soit super clair et que vous soyez, je ne sais pas, ou soufflé par la proposition ou le volet pilote. Peut-être Marie-Pierre. Oui, ben, c'était très clair, Emiliano. Ça traduisait très bien qu'est-ce que j'ai mis sur papier là, en faisant des consultations dans le monde entrepreneurial. Je pense que des fois, de rappeler que l'idée, c'est vraiment de générer de la connaissance partagée. Donc, ça va être des résultats de recherche publique. C'est à ça qu'il faut penser. Donc, l'idée, c'était vraiment au départ de se dire, il y a des entreprises scientifiques au Québec qui ont des capacités de recherche à l'interne accrues, qu'on devrait être capable d'encourager aussi. Donc, on a des très, très bons laboratoires, des centres de recherche affiliés avec toutes sortes d'établissements publics bien connus, mais ce qui se fait dans les entreprises scientifiques, des grosses capacités de recherche, là, très, très souvent, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que vous travaillez sur des problématiques très, très spécifiques. Donc, c'est l'opportunité de dire, on possède déjà notre propriété intellectuelle, là. On ne cherche pas à faire maturer notre propriété intellectuelle qui n'existe pas encore, mais on va dans la littérature, puis il manque des éléments qui nous permettraient d'avancer, puis nous, on ne peut pas tout faire à l'interne non plus. Donc, c'est un peu un échange entre l'université qui peut se rendre compte qu'il y a certaines choses qui se font sur le terrain, puis ça peut les alimenter, alimenter leur domaine de recherche, autant que l'entrepreneur scientifique qui ne peut pas tout faire autour de la solution qu'il essaie de déplacer, donc il peut retourner vers l'université. Donc, et la plupart d'entre les entrepreneurs scientifiques viennent de l'université, la connaissent bien. Et des fois, c'est juste facilité. J'aime bien le mot bidirectionnel, là, l'échange qui va dans les deux sens pour qu'il y ait de la nouvelle connaissance qui bénéficie à tout le monde. Donc, c'est un peu ça l'esprit. Puis, l'esprit aussi, étant donné que c'est ça l'esprit, on demande pas de fameux matching, c'est-à-dire que l'entreprise scientifique, le fait qu'ils vont travailler à l'interne, qu'ils vont mettre des ressources, des personnes et tout ça. Donc, c'est très différent d'un fonds de maturation, c'est très différent de projets à université, industrie. On cherche pas n'importe quel type d'entreprise. Vous avez bien vu, vous avez eu un aperçu, là, l'admissibilité est très pointue, très nichée, mais c'est clair qu'on veut des entreprises scientifiques qui ont déjà des capacités de recherche accrues, qui veulent s'en servir, qui veulent produire des résultats de recherche publique. Donc, ça, c'est peut-être pas pour tout le monde. Puis c'est ça le principe. On commence comme ça. Puis on va s'ajuster, ces pilotes et tout ça. Donc, on va voir si c'est aussi pertinent que pendant mes consultations, quand j'ai essayé de développer avec Emiliano, après avec Madeleine, qui en a vu passer plusieurs des programmes avec les gens à l'interne des fonds de recherche du Québec, sur toutes les questions éthiques aussi, comment on fait ça, comment on gère bien ça, de générer de la connaissance publique. Donc, c'est là où on est rendu. Je ne vois pas de questions pour Ouais, l'instant. mais je pense que Marie puis Monsieur, c'est vraiment cet esprit-là, là, générer des connaissances publiques. Donc, c'est vraiment ça. Et cette espèce de, tu sais, la plupart de ces entreprises scientifiques, ou ils sont sortis évidemment de l'université. Donc, dans le fond, c'est ces doctorants ou ces post-doctorants qui se retrouvent dans les. Tu sais, c'est un peu aussi. Profiter là, dans le sens de profit, mais je veux dire de leur connaissance, puis du fait qu'ils sont très, très, ces deux milieux qui peuvent échanger pour arriver à quelque chose d'un plus. Donc, c'est dans ce mariage-là qu'on pense que c'est très, très porteur, toujours dans une optique où on parle de l'enjeu du vieillissement. Et donc, c'est. Voilà. Et donc, c'est évident qu'il a fallu un peu ajuster ben, les règles, mais c'est toujours dans un esprit aussi de partage de connaissances, hein, de générer de nouvelles connaissances. Donc, bon, ben, écoutez, c'est clair. C'est sûr, puis comme dit Marie-Pierre, c'est très niché. C'est pas que c'est n'importe qui, mais je veux dire, on donne pas ça à un développeur je sais pas, de savon, même si ça peut être très bien, là. Mais voilà. Et Madeleine, je pense. Oui, ben moi, j'aurais parlé peut-être du formulaire que l'entrepreneur va avoir
de son côté. Alors, le chercheur principal va s'ouvrir un formulaire qui s'appelle finalement parenthèse VIES, oui. Et lorsqu'il va rentrer le compte épercu net de l'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur qui va être coporteur doit avoir un compte épercu, doit se créer un compte épercu net s'il n'en a pas. Et une fois qu'il va avoir ajouté comme coporteur l'entrepreneur, nous serons avisés et puis nous allons pouvoir lui ouvrir un formulaire à lui qui doit compléter son admissibilité, la partie budgétaire et puis certains documents à transmettre. Et puis, comme ce formulaire-là n'est pas couvert par un établissement gestionnaire, c'est pour ça que ce formulaire-là doit être transmis directement au FRQS. Et puis, il doit aussi respecter les délais et s'entretenir avec le chercheur principal. C'est un peu l'aspect là, qu'on ne voit pas dans nos autres programmes, là, qui est typique à celui-ci. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est pas mal calme. Bon, c'est calme. Mais écoutez-moi, je vais devoir quitter. Mais une chose est certaine, si vous avez des questions, parce que peut-être qu'il va en venir après le webinaire, ne vous gênez pas à écrire à Emiliano. Hein? Puis on pour répondre à vos questions. Puis, je veux dire, nous, on se concertera là, pour ces questions-là de ce volet soutien d'entrepreneurs scientifiques. Mais on espère, évidemment, qu'il y ait des soumissions. Je pense que c'est important. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de ma part. Puis, donc, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Donc, comme Denise l'a dit, n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Mm-hmm. Nos coordonnées sont sous la page web du programme. Okay. Donc, et Emiliano, le webinaire aussi, c'est-à-dire le webinaire va être sur le site. Est-ce qu'on met les diapos? Diapositives et enregistrement. L'enregistrement, c'est bon. Dans quelques jours, au début de la semaine prochaine, devrait être en ligne. Mm. Parce qu'il faut quand même faire un petit travail de montage. Voilà. Merci. Merci à toutes et à tous. Oui. Au revoir. Merci à tous. Bonjour.